cobblestones, square circles, and laughs. The Road of Savat. Professor Butron embarks on a journey across France to interview the living professors of Savat in 2012. This documentary captures the history of the French martial arts as told to you directly from each professor. Those who train in the noble art of French foot fighting Savat understand that the professors propel the spirit of pugilism. Enjoy the vast knowledge that's being propelled within the documentary. Savat's history, subculture, its traditions have been passed on orally by its professors and higher ranks within the style. Even though books have been written, it's usually only about its methods of fighting. Enjoy The Road of Savat, as told by its professors. City of Paris, where music, art, architecture survived, and it's a culture that's very strong and fortified this nation. Another subculture exists, and that is at the heart of the subculture of Savat boxe française. Moi, je connais la boxe française, donc je vais parler de la boxe française. Quand j'ai commencé à l'âge de 12 ans, on m'a direct inclus des valeurs, des techniques. Il fallait que je reproduise, que je respecte mon partenaire, que je respecte mon adversaire. Ça a été une grande philosophie, la boxe française. Parce que si tu jouais ton caïd, tu restais pas dans le club. Tu repartais chez toi. Il y a des règles, il y a un code déontologique. C'est comme une fraternité. Tu vois ce que je veux dire, Paul? Et ça, c'est important. Et ceux qui m'ont donné... Mes entraîneurs, c'est des anciens de la Savat. Ils ont fait progresser la boxe française grâce à la Savat. Ça, c'est important de le dire aussi. Hein. Sinon, on serait pas là maintenant. Bon, après, il y a eu le problème où les entraîneurs et les tireurs, ils se sont pas très... ils sont pas rentrés vraiment dans la discipline où ils n'ont pas voulu évoluer encore plus la boxe française. C'est bien dommage parce que le niveau, tu regardes maintenant les championnats de France, franchement c'est décevant. À part un combat que j'ai vu il y a 2 ans, une finale, où il y avait du bon niveau, après je me suis dit, bah si c'est ça la boxe française, autant mettre les clés sous la porte, hein, faut laisser tomber. Hein. Donc j'espère que les mentalités vont changer, que le niveau va remonter, qu'on va remettre des claques aux autres disciplines, comme ça on pourra dire, bah tiens, celui-là, il vient de la boxe 113, il a des techniques, il a du vice, il a le coup d'œil. Tu vois ce que je veux dire, Paul? Ça, c'est important. Des déplacements, et à la fin, ton petit salut de la boxe française pour dire, bah voilà, tu vois, voilà. Twenty years ago, my brother and I used to train here next to Chateau Vincennes. We used to go down here every day at the end of the street, turn, and go to INSEP, the National Training Center for the French, for all the Olympic teams, the national teams. Me being the first American to ever do this, it was kind of a thrill, you know, to live amongst them, to train against with these champions day after day. Month after month, we're trained by Richard Sila, who was our coach. And we had people like Richard Thomas, Alan Sanctifo, Ivan Barbaja, Tony Moreno, Jean-Baptiste Auga, Sandinqua, Capron. And every day we would train, we would learn the ring savvy that was passed on to us by Richard Sila. La mémoire de la boxe française, Paul Boutron, des États-Unis. Laredo, il vient en France, il fait un reportage. Que dire de mieux? Moi je dis respect. Voilà, respect. Respect, Paul. Merci. C'est la fraternité. C'est la Savat.
Bonjour, Jean-Louis Lassène, 42 ans. J'ai commencé la boxe française à l'âge de 12 ans. J'ai fait mon premier combat en pré-combat à l'âge de 17 ans. Première série, série nationale. J'ai à peu près plus de 100 combats, toutes disciplines confondues. Boxe anglaise, boxe française, kickboxing, boxe thaï, le contact. Mais plus de boxe française. Donc j'ai fait 2 ans et demi à Vincennes, à l'Institut National des Sports et d'Éducation Physique. Donc, vous voyez le château de Vincennes, on n'était pas très loin. Donc avec Paul Bouitron, on est ici pour vous montrer un petit peu l'histoire de la boxe française. N'est-ce pas Paul? Et donc la BF c'est une grande famille. Et l'histoire en dit beaucoup sur l'évolution de la boxe. Maintenant, il faut que... De toi. Je suis... Donc, mes professeurs, ils ont été... Pascal Bercy, c'est mon beau-frère. Et Philippe Accard, qui a été aussi... qui est mon beau-frère, mon cousin d'ailleurs. Et Philippe Fouché. Donc, ils m'ont fait connaître la boxe française à l'âge de 12 ans. Ils m'ont fait aimer ce sport. J'étais un petit peu perturbant. J'aimais un petit peu... la bagarre. Donc, ça m'a canalisé. Française. Voilà, et ils ont vu que j'avais des capacités à l'âge de 16 ans. Je me suis bien donné dans mes entraînements. Et il y a 17 ans, ils m'ont proposé de faire le critérium des aiglons. Et le critérium, de, je ne me rappelle plus du nom. Je l'ai fait, puis c'est comme ça que j'ai pu aimer l'art du combat. Tout ce que je peux dire entre la boxe française et la savate, c'est que ma génération, après Silla, Farina, on a vraiment eu un impact sur la boxe française. Moi, j'ai toujours fait de la boxe française. On a associé les poings, les pieds. Et c'est ce qui a fait des bonnes liaisons. Pied-point, point-pied. D'ailleurs, on remercie les gars de la savate hein, qui se sont vraiment donné corps et âme pour augmenter cette... Donc, INSEP, 2 ans et demi à l'INSEP, de 90 à 92-93 plutôt. Il y avait vraiment un esprit d'équipe là-bas. Il y avait une cohésion. Même si c'est un sport individuel, c'est un sport d'équipe. Parce qu'on s'entraîne avec différentes catégories. Et c'est le respect. Et le respect, on en revient à... C'est la base. La base de notre discipline, c'est qu'on ne s'entraîne pas avec un adversaire, mais on s'entraîne avec un partenaire. C'est ce qui fait la camaraderie, hein, tout simplement. Et l'évolution, moi je pense que l'évolution, elle n'a pas été dans le bon sens. Elle a plutôt descendu dans... En chute libre même, parce qu'il y a eu une certaine politique que j'ai pas trop accepté, ouais, c'est vrai. Mais bon, je vais... bon, la technique favorite Jean-Louis Lassène, c'était le chassé tournant médian. Donc je pivotais sur moi-même, je regardais, bam, je mettais mon chassé soit au niveau du plexus, soit au niveau du menton. Donc ça, je le plaçais toujours au moins une fois dans un combat. C'était mon spécifique boxe française que j'ai appris quand j'étais tout petit.